بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Observez le verset 4 de Sourate Al-Qiyamah. بسم الله الرحمن الرحيم بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Traduction en français. Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Il parle des bouts des doigts. Les êtres humains ont quatre membres où on trouve des doigts. Et quatre, c'est aussi le numéro du verset, comme vous pouvez le constater. Les doigts humains ont été répartis entre les quatre membres par Allah de la manière suivante. Donc nous avons cinq doigts dans la main droite, cinq dans la main gauche, cinq dans le pied droit et cinq dans le pied gauche. Donc nous avons ainsi 5, 5, 5 et 5. Le plus étonnant, c'est que le verset 4 de Sourate Al-Qiyamah, qui parle des bouts des doigts, est classé depuis le début du Coran 5555. On voit bien les 4 chiffres 5. Subhanallah. Maintenant, si on prend la Sourate Al-Baqarah, qui est le numéro 2 dans le Coran, et c'est la première Sourate à être révélée à Médine, après la Hijra. Le nombre de ces versets est de 286. Et si nous séparons ce nombre comme suit, 86 et 2, nous avons 86 qui est le nombre de sourates qui ont été révélées à la Mecque. Et immédiatement après ces sourates mécoises, nous avons Sourate Al-Baqarah qui a été révélée et dont le numéro est 2. Remarquez bien, 86 suivi de 2. Subhanallah. Sourate Al-Baqarah compte 286 versets. Si on supprime le chiffre 2, il reste 86. Et si on supprime le chiffre 6, il reste 28. Et la somme des deux nombres donne 86 plus 28 est égal à 114. Et 114 est le nombre de sourates du Coran. Le plus étonnant, c'est que 86, comme on l'a dit, est le nombre de sourates révélées à la Mecque. Et 28 est le nombre de sourates révélées à Médine. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Si on fait la même chose que ce qu'on a fait avec les versets de Sourate Al-Baqarah, on va supprimer le chiffre 1, il restera le nombre 14. Si on supprime le chiffre 4, il restera le nombre 11. Ce qui est étonnant, c'est que 14 plus 11 est égal à 25. Et 25 est aussi le numéro de Sourate Al-Furqan. Et Al-Furqan est l'un des noms du Coran. Subhanallah. De même, comme nous le savons, le nombre de sourates dans le Coran et de 114 sourates. 114 est égal à 19 fois 6. Si on met maintenant les deux nombres 6 et 19 côte à côte, on obtient le nombre 619. Le plus étonnant, c'est que le nombre 619 est un nombre premier et son classement parmi les nombres premiers est 114. Nous revenons encore au nombre 114. Subhanallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.